Hey, je viens d'apprendre que la température la plus basse jamais enregistrée au Canada est de -62,8 degrés Celsius. Ça, ça correspond à la température moyenne sur Mars. C'est le Yukon, et plus précisément la localité de Snag, qui a eu l'honneur, le 3 février 1947, d'enregistrer cette température unique dans l'histoire canadienne. Tu parles d'un honneur. Il me semble que c'est plus le fun, le record du plus gros igloo ou de l'emoji le plus utilisé au Canada. Le ciel était dégagé, les vents très faibles. L'air expiré gelait en émettant un crissement. Un doux tapis de 38 cm de neige recouvrait le sol. La peau exposée gelait en moins de 3 minutes. La buée de bouche se changeait en traînée de vapeur qui s'élevait entre 1 et 5 mètres et restait suspendue dans les airs pendant presque 4 minutes. Allô? Des grands moments de poésie. Mais en définitive, on aurait pu s'en douter. Allez! Le Canada est le pays le plus froid au monde. La moyenne annuelle de toutes les températures, c'est -5,6 degrés Celsius. C'est pas chaud. Et parmi les villes du monde de plus de 500 000 habitants, la plus froide au milieu de l'hiver, c'est Winnipeg. On est numéro 1. Je m'en lasse pas. Surtout, restez prudent. Le trop froid, c'est souvent dangereux. C'est même l'événement naturel le plus meurtrier au Canada. Ce qui me fait penser que le trop chaud, c'est pas non plus toujours rigolo. La température la plus haute jamais enregistrée au Canada est de 49,6 degrés Celsius. Elle a été relevée pendant l'été 2021 à Lytton, en Colombie-Britannique. On s'entend que passer de -62,8 à 49,6 degrés Celsius, c'est tout un écart. Démonstration!